Eh bien, bon mardi midi à tout le monde. Merci de vous joindre à cette séance d'information sur le lancement des cohortes dédiées aux entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, offertes par 48e Nord International, l'Espace d'accélération croissance de l'Abitibi-Témiscamingue et également Service Québec. Donc, on est content justement vous mettre en valeur le service du réacteur 48 qui va permettre aux entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue d'être mieux outillées au ce qui est au niveau du positionnement, de la commercialisation et également de l'exportation de leurs solutions. Donc, j'introduirai ma collègue, notre partenaire de l'espace d'accélération de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue, Madame Marie-Pierre Bernard, la directrice générale. Puis par la suite, on va également rencontrer là, les gens de Service Québec qui nous permettent définitivement là, de mettre en œuvre ce programme-là qui est dédié à 100% aux entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, Marie-Pierre. Oui, merci Cindy. Et bonjour tout le monde. En fait, je vais seulement donner un petit mot de bienvenue et introduire l'espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue, donc ou l'ICAT. Donc, l'ICAT est une organisation régionale qui est assez récente, qui a été mise en place au courant à peu près de la dernière année, je dirais. C'est une organisation qui a comme mission de stimuler et d'accompagner les projets d'innovation et les projets de croissance pour les PME de l'Abitibi-Témiscamingue. On offre des services de deuxième ligne en accompagnement et en mise en place de soutien en fait pour les projets des entreprises de la région. Et donc, on va travailler et être partenaire dans des initiatives et des projets collaboratifs régionaux qui vont avoir en fait comme objectif là, de stimuler et de soutenir les projets des entreprises. Et dans ce cadre-là, en fait, on est super heureux de pouvoir être partenaire du programme qu'on vous présente aujourd'hui, le programme Réacteur 48, pour lequel là, on a levé un partenariat pour permettre de rendre le plus accessible possible en fait les services et ce programme-là aux entreprises de la région. Puis en fait là, le programme qui vise vraiment à soutenir l'accélération et la croissance des entreprises, notamment comme Cindy dit au niveau du positionnement stratégique et de la commercialisation. Donc voilà, on est très heureux d'être là, on est très heureux de vous présenter le programme aujourd'hui. Je vais aussi passer la parole à nos autres partenaires, donc Tommy Boucher et Marisol Boucher-Lupien de Service Québec, sans qui le programme qu'on présente aujourd'hui ne pourrait pas être possible. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Tommy Boucher. Je suis agent de concertation à la Direction régionale de Service Québec. Puis, j'ai la chance d'être accompagné par ma collègue Marisol Boucher-Lupien, qui est conseillère aux entreprises au bureau de Service Québec à Ville-Marie. Service Québec, nous, on est vraiment contents d'être associés à 48e Nord et à l'ICAT, là, dans le cadre du projet Réacteur 48. De par notre mission, nos services, on trouvait que c'est un projet qui cadrait très bien là, pour ce qui est là, de travailler, améliorer les compétences là, des entreprises et des entrepreneurs, principalement au niveau là, du développement là, de stratégie commerciale et au niveau du développement des affaires. Au cours là, du processus, tout au long du processus là, que va durer la cohorte, là, vous allez avoir la chance là, d'entreprendre une réflexion stratégique. Puis nous, Service Québec, bien, on va pouvoir là, vous accompagner là, au niveau de cette réflexion stratégique-là, principalement au niveau du développement des ressources humaines. On prend pour acquis là, que votre réflexion stratégique, le développement de nouveaux marchés, la commercialisation, et ainsi de suite, risque de susciter des besoins de développement de compétences à votre niveau et au niveau des ressources humaines de votre entreprise. Et c'est là que c'est à ce niveau-là que Service Québec, on va pouvoir vous accompagner, puis on va pouvoir là, vous supporter là, pour vraiment s'assurer là, que la démarche va rapporter là, d'immenses bénéfices là, pour la croissance de votre entreprise. Concrètement, comment ça va s'opérer? Bien, au courant de l'entreprise, au courant de la démarche, vous allez avoir la chance de rencontrer là, un conseiller aux entreprises de Service Québec qui va pouvoir là, vous aider puis vous dire un peu là, comment on peut là, opérer là, cette analyse-là au niveau de la gestion de vos ressources humaines pour vraiment là, rentrer dans le détail de comment là, peut s'opérer là, l'intervention avec le conseiller aux entreprises. Je vais laisser Marisol en discuter. Donc, Marisol, là, je te laisserai là, vraiment là, expliquer là, comment vous pouvez intervenir, là, comment est-ce qu'on peut intervenir au niveau là, de ce projet-là.
Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, avec le consultant, donc dans le projet, quand que ça touche les ressources humaines, ben nous, on peut intervenir pour subventionner le consultant tant que ça touche les ressources humaines. Donc, quand c'est pour de la réorganisation, pour le développement, tu sais, quand on dit des stratégies de commercialisation, ben des fois, ça nécessite de la réorganisation à l'interne. Donc, tout ce qui peut découler, qui peut avoir un impact sur les ressources humaines, autant de la formation que des services avec un consultant, c'est des choses qu'on peut subventionner. Donc, je dirais, c'est vraiment un travail d'équipe avec la démarche générale là, dans le processus global. Donc, c'est sûr que on peut aller avec différentes entreprises, mais je pense que dans le projet qui nous concerne présentement aujourd'hui, c'est vraiment de l'échange d'informations puis du travail d'équipe qui va se faire. Donc, quand ça touche les ressources humaines, c'est des éléments qu'on peut subventionner. Donc, tout ce qui est que ce soit pour du recrutement, pour former ou pour mobiliser une équipe dans tout le processus de ces changements que peut apporter l'implantation d'un tel projet, c'est des choses qu'on peut aider. Donc, juste en terminant, concrètement, dans le cadre de la cohorte, vous allez rencontrer un conseiller des services d'entreprise de Service Québec, puis avec eux, vous allez pouvoir là, regarder des stratégies, puis voir vraiment là, vos réflexions stratégiques, quel impact ça peut avoir sur vos ressources humaines, puis voir après ça, comment est-ce qu'avec Service Québec, on peut là, trouver des solutions là, aux défis que va poser là, cette réflexion-là. Donc, bonne chance dans toute la démarche. Merci beaucoup à Cindy et Marie-Pierre là, pour l'invitation. Merci Tommy, merci Marisol. Donc, vous pouvez voir la formule du réacteur pour l'automne qui s'en vient. Ça va être une formule très dynamique avec des partenaires de choix, bien entendu. Puis, ça tourne beaucoup au niveau de l'humain. Hein. On sait très bien que les gens qui composent nos organisations, c'est vraiment eux qui nous permettent d'atteindre les objectifs de croissance qu'on veut établir avec l'entreprise. Puis pour ça, ben ça passe par le développement des compétences, les connaissances, etc. Puis, c'est exactement ce que le réacteur 48 met de l'avant quand on parle justement de mettre en valeur les compétences puis développer justement cet accompagnement-là pour atteindre justement des niveaux d'objectifs que vous voulez atteindre. Donc, si on y va dans le contenu, au niveau du réacteur 48, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais laisser ma collègue changer la diapositive. Voilà. Donc, le programme du développement, le programme du réacteur, c'est un programme de développement dynamique. Donc, on a des coachs ici chez 48e Nord qui vous accompagnent tout au long du processus, qui va mener à terme justement toute cette réflexion stratégique-là au niveau de votre positionnement, de la commercialisation et également de l'exportation de vos solutions que vous voulez mettre de l'avant. Le réacteur 48 s'adresse à toutes les entreprises multisectorielles. Ici, je vois qu'il y a une coquille, là, je suis désolée. Ce n'est pas seulement pour le secteur minier, c'est vraiment pour l'ensemble multisectoriel, dont au niveau forêt, biens de consommation, au niveau de la forêt minier également, bien entendu. Donc, toutes les entreprises multisectorielles qui ont un intérêt justement à mettre de l'avant une solution, à atteindre un positionnement, puis au niveau de la commercialisation de leur solution, c'est exactement le programme qu'il vous faut. Donc, on vous enseigne justement tous les outils, on vous transfère cette méthodologie-là, puis la capacité d'analyse pour permettre justement de vous permettre de savoir quelle cible je dois atteindre ou quel marché je devrais prioriser plus que l'autre. Puis toujours dans le but d'un développement d'affaires durable. On veut que les clients avec lesquels vous allez faire affaire deviennent vos ambassadeurs dans la rue qui propagent justement la bonne nouvelle du pourquoi faire affaire avec votre société. Donc, tout ça dans une formule de co-création, de co-développement, des ateliers dynamiques. Puis, on le souhaite, puis je prends de l'avance en disant ça, que ces ateliers-là vont être faits en format présentiel ou à la fois une formule hybride, dépendant de la conjoncture là avec la situation sanitaire. Donc, si on change de diapositive, Marika, s'il vous plaît. On y arrive, les joies du live, des fois, il peut y avoir quelques délais. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va atteindre dans le cadre du programme Réacteur? Ça se décline en trois axes. On va vous amener justement à avoir une réflexion. Tout ça passe par des ateliers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en formule dynamique. On va venir analyser toute votre structure interne en faisant un diagnostic de votre organisation. On va faire une analyse du marché cible.
Donc, on va vous offrir également des outils à savoir selon les critères et les objectifs que vous voulez atteindre, pourquoi un marché plus que l'autre. Une analyse de la concurrence. Comment justement faire une bonne veille de la concurrence avec des concurrents qui sont sur le marché ou bien même sur des marchés que vous voulez cibler, comment s'assurer de vous différencier de ces concurrents-là. Donc, c'est tous des outils qu'on va vous permettre, qu'on va vous transférer, qui vont permettre d'avoir justement cette compréhension-là de votre environnement externe. Par la suite, ça va se décliner par des actions. Donc, on va venir travailler avec vous la proposition de valeur. Comment justement vous positionner en fonction des concurrents qui sont déjà là? Pourquoi vous plus qu'un autre? Comment sortir justement d'une proposition de valeur de fonctionnalité puis d'avoir davantage une proposition de valeur d'impact? Tout ce qui est au niveau également d'identification, qualification client, à la recherche de partenaires, de fournisseurs, bref, tous des gens qui vont justement vous entourer avec qui vous allez pouvoir développer des stratégies d'affaires durables. Puis par la suite, bien évidemment, au niveau de la propulsion, c'est vraiment l'application des concepts par l'entreprise qui vous permet vraiment, suite à avoir acquis tout ce matériel-là qu'on vous transfère, d'atteindre justement vos objectifs. Donc, justement, ces objectifs-là, c'est quoi? C'est d'avoir justement, de porter une réflexion puis des actions soutenues dans une stratégie d'affaires puis de positionnement. C'est d'établir également des créations de relations durables, hein, parce que les cohorts sont en formule avec d'autres entreprises. Donc, vous pouvez également développer des relations de partenariat avec les gens qui vont composer la cohorte, bien entendu. Tout ce qui est au niveau de la recherche et l'analyse des forces et faiblesses de nouveaux marchés. Quand on parle de nouveaux marchés, on pense souvent, à l'international, mais ça peut être, exemple, un nouveau marché comme Montréal. Ça peut être même à l'intérieur du Québec. Ça peut être aussi en Ontario. Bref, il y a différentes opportunités qui peuvent être analysées dans ce contexte-là. Définitivement, la base du programme, vous transférez ces connaissances-là, les compétences requises nécessaires pour assurer un développement d'affaires durable, surtout si vous assurez que vous mettez les énergies puis les investissements au bon endroit, bien entendu. Tout ce qui est au niveau de la réévaluation et l'identification de nouvelles stratégies de commercialisation sur le marché. Donc, c'est vraiment atteint de par le soutien de notre équipe. Puis, pour vous présenter l'équipe, justement, de 48e Nord, du moins ceux qui vont travailler de concert avec les entreprises tout au long du programme. Marika, s'il vous plaît, on peut changer de diapositive. Merci. On y arrive. Voilà. Donc, votre moteur, notre équipage, c'est définitivement une partie de l'équipe qui va vous accompagner. Moi, bien entendu, Cindy Valence, directrice générale et commissaire à l'international. Tout ce qui est au niveau de la mise en relation afin d'assurer un développement d'affaires durable, bien entendu, l'expertise en commercialisation et marché étranger. Sabrina Arroras, qui est justement la conseillère principale au niveau des stratégies d'affaires durables et le coach principal également au niveau du réacteur 48. Donc, tout ce qui est au niveau de la gestion de projet, l'analyse des risques et des variables économiques. Francesca Rio, qui est conseillère en stratégie d'affaires durables également, qui est coach du réacteur 48, qui va vous accompagner tout au long. Sa spécialité au niveau des analyses des environnements politiques, socio-économiques et également la mise en valeur des données. Une autre partie de l'équipe également qui va vous accompagner tout au long. Marika, s'il vous plaît, on va pouvoir changer de diapositive. Voilà. Charline Lessard-Desrochers, qui est conseillère en stratégie d'affaires durable également. Tout ce qui est au niveau de son expertise, au niveau des analyses des variables économiques et également la mise en valeur des données. Et également Thomas, conseiller en stratégie d'affaires durable. Cette méthodologie-là, justement, qu'on va être transférée, recherche et analyse, puis également la coordination du programme. Donc, voilà, c'est l'équipe qui va composer 48e Nord International dans l'accompagnement avec vous, hein, les entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue, tout secteur d'activité, dans l'atteinte justement d'acquisition de connaissances et de compétences pour vous permettre un déploiement durable sur les marchés que vous visez. Quand on parle aussi de développement durable, ça peut être également aussi un positionnement, okay, un positionnement que vous voulez confirmer sur le marché actuel, que ce soit même ici, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, peu importe. Donc, c'est vraiment les outils qu'on va vous transférer à ce niveau-là. Donc, on peut changer de diapositive. Voilà. J'inviterai justement un ambassadeur du programme. J'aimerais le nommer comme ça, un ambassadeur du programme, Shane Poirier,
président et directeur du développement des affaires chez Hydrotech Mining, qui va nous partager un peu son expérience, puisque Shane, bon, il a été dans le cadre de la première cohorte, Shane, tu as été dans les tout débuts du réacteur 48, puis là, bon, je veux dire, ça l'a évolué beaucoup. Donc, si tu veux partager à quelques entreprises qui nous écoutent en ce moment ton appréciation du programme, puis qu'est-ce que ça l'a apporté aussi pour ton organisation sur le déploiement de nouveaux marchés que tu ciblais. Oui. Ben merci, Cindy. Merci de l'opportunité de parler un peu de nous puis comment que le programme nous a aidé énormément. Le timing était très bon parce que l'an passé, il faut se rappeler, nous, on a participé l'été dernier puis on était direct dans le début de la pandémie, COVID, etc. Puis on était dans une phase d'expansion, de vouloir ouvrir des nouveaux marchés plus géographiques dans l'Ouest canadien, etc. Puis, ne pas être capable de voyager ou tu sais, faire tout à distance était très problématique. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça, le programme a eu ça comme vraiment côté intérêt parce que ça nous a permis de penser en dehors de la boîte comment qu'on peut continuer à développer des nouveaux clients, mais en restant sur un format comme on est là sur Teams. Mais c'est ce que ça nous a amené, c'est vraiment comme une étude de marché qu'on a pu développer. Bon, c'est qui les cibles stratégiques et c'est qui que les bonnes personnes à rencontrer dans chaque territoire et faire l'étude de marché, c'est qui les concurrents. Parce qu'avant qu'Hydrotech arrive dans ces marchés-là, il y avait des clients qui avaient d'autres fournisseurs probablement. C'était qui ces fournisseurs-là? C'était quoi le point fort, le point faible? Fait que tout ça, c'était des éléments très, très qu'on a retiré beaucoup du programme avec le réacteur. Puis quand on a pu, après ça, éventuellement voyager, j'étais allé dans l'Ouest, c'était en septembre, octobre, mais là, notre voyage était ciblé. Là. J'avais rarement fait un voyage aussi direct au but et tout planifié, tout organisé. Mes rencontres étaient faites, j'avais mes rencontres avec mes clients et Et ça nous a permis vraiment de focusser là, de quand on fait du développement, bien, de le faire de la bonne façon et de le faire de façon stratégique, qui en bout de ligne est très, très gagnant. Un des points que j'ai réalisé pour ceux qui vont suivre cette formation-là, c'est que c'est toujours aussi bon que le temps et l'effort que vous mettez dedans. Fait que nous, on a pris le temps de faire nos devoirs, on dirait comme... Quand on était à la petite école, faites vos devoirs. Mais c'était vraiment ça parce que nous, on faisait à chaque semaine, on avait un petit groupe qui participait à la formation. On se rencontrait, puis on faisait les exercices. Puis c'était comme c'est interactif parce que les gens du 48e nous envoyaient des documents à remplir et il y avait besoin de notre input parce que l'idée là-dedans, c'est que c'est pas de quoi qu'ils vont pondre tout seul d'eux-mêmes. C'est vraiment interactif. Donc, vous connaissez votre compagnie, vous connaissez vos points forts, vos points faibles, et c'est là que vous les partagez avec eux. Eux prennent ça, brassent ça un peu, regardent le marché, vous reviennent. C'est beaucoup l'interaction comme ça. Fait que nous, on se rencontrait une fois par semaine. On prenait une heure et demie, puis on regardait, bon, OK, qu'est-ce qu'on avait besoin, qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis on leur donnait cette information-là, eux autres nous posaient des questions. Puis c'est vraiment cette interaction-là qui a fait qu'on a vraiment bien avancé dans le programme. Fait que c'est mettez un peu d'effort de votre bord, puis vous allez voir, ça va être payant. Puis effectivement, Shane, tu l'as très bien mentionné, hein, c'est ensemble. C'est une formule justement qui se bâtit ensemble avec l'entreprise, qui comprend le pouls. Puis nous, ça nous permet d'avoir un regard vraiment externe, puis on est capable vraiment de vous soulever des opportunités super intéressantes. Puis c'est intéressant le commentaire que tu portes au niveau de la Colombie-Britannique, parce que quand tu es arrivé sur le terrain, tu savais c'est qui les joueurs qui sont là, tu savais comment tu allais te positionner, comment te différencier, comment justement qui tu allais rencontrer, qui permet que le développement du marché de la Colombie-Britannique est beaucoup plus ciblé puis beaucoup plus confirmé. Les retours sur investissement est beaucoup plus intéressant. Oui, parce que là maintenant, on a une succursale à Kamloops, en Colombie-Britannique, puis probablement tout l'effort, le support qu'on a eu a pu aider à augmenter les chances de succès de ce succursale-là. Parce qu'au début, c'était vraiment là en pandémie, tu peux pas voyager, c'était comme pas clair. Puis là, c'était vraiment comme bon, on met-tu un X sur le développement jusqu'à temps qu'on passe à d'autres choses ou on trouve des manières imaginatives de continuer à développer malgré les contraintes qu'on avait.
Exact, exact. Superbe. Donc, vous voyez un peu là le commentaire de Shane, puis ça, c'est un commentaire. Là, on pourrait avoir d'autres entreprises qui ont participé à la première, à la deuxième, à la troisième cohorte, puisque depuis le début du programme du réacteur, il y a quand même 3 cohortes qui ont passé. Puis bon, avec les à l'automne, on en a 3 autres qui s'en viennent. Donc, merci Shane pour ton commentaire. J'apprécie, je suis contente de te revoir. Hein, donc, bientôt en présentiel, je vais aller te voir bientôt. Donc, pour continuer, je vous présenterai un court vidéo qui met de l'avant vraiment la valeur ajoutée du programme. Puis par la suite, je vais vous présenter les différentes cohortes et la conclusion de cette séance d'information. Voilà, donc vous voyez un peu les différents objectifs, puis surtout le but du programme. Puis j'aimerais attirer votre attention surtout au niveau du développement d'affaires durables, puisque bon, la plupart des entreprises, souvent on est beaucoup par opportunité. Bon, il y a une opportunité là, on va aller là, puis on veut beaucoup prendre de l'expansion. Mais ce qu'on vous enseigne dans le programme, c'est d'avoir une stratégie bien alignée vraiment avec des critères bien définis qui va vous permettre justement cette stratégie d'affaires durable là, qui va perdurer dans le temps, puis que surtout, vous allez créer des ambassadeurs dans la rue de votre société. Donc, voilà. Donc, nous y sommes. Donc, effectivement, avec nos partenaires de l'espace d'accélération croissance de l'Abitibi-Témiscamingue et également de Service Québec, nous vous offrons des cohortes de groupe. Nous allons avoir 3 cohortes de groupe qui va permettre justement de voir l'ensemble des éléments que je vous ai montrés plus tôt. Donc, des échanges de bonnes pratiques avec d'autres entreprises de cohorte, ça c'est intéressant parce que bon, on est vraiment dans le partage des meilleures pratiques. Du contenu adapté, bien entendu, justement selon le contexte actuel, mais également selon les opportunités là, qui peuvent en découler. Un calendrier défini et régulier qui va venir faciliter les séances d'apprentissage. Il faut comprendre qu'on a 5 ateliers. Les 2 premières sont aux 3 semaines. Les 3 dernières sont aux 2 semaines. Mais tout au long du parcours, vous avez un coach qui vous est adressé. Donc, vous avez vu les membres de l'équipe un peu plus tôt. Vous allez avoir justement ce coach-là par semaine, Shane l'a très bien mentionné, de suivi autant au niveau des ateliers, mais bien entendu, après les ateliers, tout ce suivi-là que vous allez avoir. Puis, Shane vous a mentionné tout à l'heure qu'on était dans du contenu papier dans les tout débuts. Maintenant, on est rendu avec une plateforme interactive, une plateforme web où tous les exercices sont vraiment sur cette plateforme-là qui vous permet justement encore plus de faciliter la tâche des 2 côtés. Donc, c'est 6 entreprises non concurrentes admissibles par cohorte qu'on recrute. Donc, premier arrivé, premier servi, bien entendu. Sinon, si exemple, il y a des entreprises concurrentes, bien là, à ce moment-là, on va les mettre dans la deuxième et dans la troisième dans la troisième cohorte. Donc ici, on demande comme engagement un minimum de 2 participants cadres par entreprise. Ça a une valeur de 25 000 $, hein. Faut quand même pas oublier, là, c'est quand même un gros programme de 3 mois intensif avec un soutien en continu de par les membres de l'équipe 48e Nord. C'est également, il va y avoir 3 livrables également qui vont être remis dans le cadre du programme, dont notamment le diagnostic interne qui est très important aussi à savoir pour relever toutes les forces, opportunités, menaces de votre société. Une étude de marché bien complet aussi à ce niveau-là pour bien orienter votre développement de marché. Puis par la suite, le rapport final avec différentes recommandations puis pistes de solutions pour entamer le tout. Et également le plan d'action. Donc, grâce à Service Québec et également Espace d'accélération de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue, bien, ça vous revient à 3675 $ pour un programme de cette envergure-là, comme je le rappelle, 3 mois intensifs d'un soutien en positionnement, commercialisation et exportation, si vous êtes rendu à exporter, de par notre équipe. La première cohorte du 9 septembre au 18 novembre. Bon, ici, il y a une autre coquille, on voulait écrire complète, bien entendu. Donc, elle est déjà complète là à ce jour. Il reste la deuxième cohorte et la troisième cohorte. Bon, voyez-vous, il y a peut-être juste une petite inversion au niveau des mots là. Il reste 5 places au niveau de la deuxième cohorte qui va se dérouler du 11 novembre au 10 février 2022.
Donc, il nous reste cinq places, donc hâtez-vous, puisque la première est déjà complète. Donc, vous comprendrez que les prochains vont sûrement se situer dans la deuxième ou dans la troisième cohorte. Puis, la troisième cohorte qui va débuter également le 20 janvier au 31 mars 2022, il va rester également, il reste cinq places pour ça. Donc, c'est un total de 18 entreprises que nous allons accompagner tout au long de l'automne et sur l'hiver, bien entendu. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, puis ce qui est intéressant avec les trois cohortes, c'est que justement, ça peut aller selon vos activités. Là. Donc, si vous pensez que novembre, c'est le meilleur temps pour vous, bien prenez novembre. Si vous pensez que janvier, c'est le meilleur temps pour vous. Donc, c'est quand même un calendrier qui est assez agile pour s'assurer que les entreprises puissent trouver leur compte dans tout ça. Donc, au niveau, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations, on vous invite à prendre contact avec moi directement, il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, il est dans le bas ici, là, vous le voyez très bien. Et également, mon adresse courriel, donc pour ce qui est de prendre rendez-vous. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'entreprises qu'on accompagne dans le cadre du programme Réacteur 48, qui est une formule très intéressante, dynamique, qui permet ensemble de bâtir avec vous votre stratégie de positionnement, de commercialisation et d'exportation selon les objectifs, les critères que vous voulez définir en lien avec votre entreprise, puis vos ambitions aussi, surtout de développement de marché. Marika, je demanderais est-ce qu'on ramène Marie-Pierre, Bernard, Tommy et Marisol? Voilà. Donc, on est tous là pour le beau de la fin avec vous. Donc, vous voyez l'ensemble des partenaires qui rendent ça possible, bien entendu, puisque vous allez rencontrer là, tout au long du parcours du réacteur 48 qui va se dérouler sur les trois cohortes pour tout l'automne. Donc, Marie-Pierre, Marisol, Tommy, avez-vous un mot que vous voulez ajouter? De mon côté, je veux juste justement rappeler à quel point on est heureux d'avoir pu lever un partenariat pour offrir ce programme-là. Là, comme Cindy l'a mentionné, c'est un programme qui a une valeur, une grande valeur en fait, là, au niveau de l'offre de services et de la consultation qui est permise, puis qu'on peut rendre quand même accessible à un coût très compétitif et très intéressant pour les entreprises de la région. Puis avec les 18 places qui sont ouvertes, on voit qu'il y a un potentiel de soutenir vraiment l'accélération de la croissance des entreprises. C'est un beau succès pour nous. Donc, merci. Oui, si je peux ajouter, moi, je pense que c'est une belle opportunité pour les entreprises. C'est un beau programme qui a déjà fait ses preuves. Puis, je pense que c'était... manquez pas l'occasion. Puis, comme vous avez pu constater, là, vous allez travailler avec des gens dynamiques. Qui ont déjà là, prouvé leur expertise et leurs compétences dans le domaine. Donc, c'est une belle occasion à saisir. Merci, merci Marie-Pierre, Marisol, Tommy. Merci à nos partenaires. Je le rappelle, Espace d'accélération de croissance de la Abitibi-Témiscamingue et bien entendu Service Québec qui nous appuie dans tout ça. Puis je le rappelle, juste avant de terminer, ça s'adresse à toutes les entreprises de la Abitibi-Témiscamingue multisectorielle, que vous soyez en démarrage, que vous soyez une entreprise aguerrie, peu importe les objectifs que vous voulez rencontrer, nos coachs sont là justement pour vous permettre d'avancer dans votre stratégie de développement d'affaires. Il reste 5 places, la deuxième cohorte à partir du mois de novembre et également 5 places dans la cohorte à partir de janvier. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Je vous laisse à votre heure de dîner. Il vous reste une belle petite demi-heure là, pour en profiter. À très bientôt. Bye-bye.